Salut tout le monde! Bonsoir! Hop là, je passe mon écran de contrôle, j'ai coupé mon stream, je ne m'entends pas en double. Magnifique. Voilà. Et normalement, c'est bon. Coucou. Bon! Bon, c'est une grosse bécane ce soir. Je pensais qu'il arriverait bien avant le Stuka. C'est quand même un des avions les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale. Il est vraiment sur les... Bah, il est en haut du panier, quoi. C'est quand même un monstre. Hop là, voilà. Tac. Magnifique. Alors oui, ça, c'est un peu du bait-click, hein. C'est comme quand vous mettez une gonzesse dans votre vignette. Là, vous mettez le Stuka, une des versions la moins produite, qui est la version G, avec les bécas sous les ailes. Ça fait super classe. Ils en ont fait très très peu de bécas. C'est comme ça que je l'appelle, hein. S'il s'agit du Ju-87, la version G, qui était spécialisée dans l'attaque anti-char, qui est sûrement un des Stuka les plus modifiés par rapport aux autres versions. On va expliquer un peu tout ça. Donc ouais, le Stuka, c'est quand même... bon, c'est un avion assez exceptionnel, qui va quand même avoir une carrière opérationnelle assez incroyable. Il va être utilisé toute la guerre. Ouais. Il commence pendant la guerre d'Espagne, et il y a encore fin avril 45, des Stuka qui volent en Allemagne. Il y a encore des Stuka, il y a des mecs assez tarés pour voler en Stuka. Et ouais, donc c'est un avion qui va avoir une carrière assez dingue, qui va voler pendant toute la guerre. On va y un peu expliquer. CDD avec un pote BK au final. CDD. Alors toutes les sous-versions, beaucoup de sous-versions comme la R, la D, c'est la version la plus construite. Ils en ont fait plus de 3600. Et ils ont transformé pas mal de D en sous-versions. C'est comme ça qu'il faut le voir. Mais c'est pas des versions. De toute façon, quasiment tous les Stuka étaient modifiés après. C'est un énorme bordel, les Stuka. Parce que parfois, ils reprenaient des B. Alors, pas la C, c'est la version navalisée. Ils reprenaient des B pour les modifier en D et tout ça. C'est un gros bordel. On n'est pas là pour se branler sur les versions de toute façon. Alors, le Stuka. Ouais, le Stuka, ils en ont fait plus de 6000. Ça reste un avion très produit par les Allemands. C'est un avion, comme je dis, qui a une carrière assez dingue, puisque ça a commencé pendant la guerre d'Espagne. Ils ont envoyé les toutes premières versions, les A, être testées en Espagne, pour voir un peu comment l'avion allait se comporter, parce que c'était un peu une nouvelle façon de faire la guerre. Et les Allemands avaient besoin de retour d'expérience, donc l'Espagne a... Je parle souvent de la guerre d'Espagne et à quel point ça a été important pour les Allemands, la guerre d'Espagne, mais ils ont... c'était le petit laboratoire allemand, donc ils ont testé le Stuka là-bas. Bon, en tout cas, notre avion, là. Notre avion, il faut remonter à plus longtemps. Déjà, c'est un bombardier en piqué. Il n'y a pas beaucoup de bombardiers en piqué pendant la Seconde Guerre mondiale. Le bombardement en piqué, c'est difficile, c'est compliqué. Ça impose énormément de contraintes, mais ça a des avantages. Ça a des avantages d'être très précis. Mais, quand on pense de piqué, souvent, on imagine un avion qui tombe à la verticale. Comme ça, là. Non. Ce qu'on appelle un bombardier en piqué, c'est souvent un avion qui descend sur un angle de 60-70 degrés maximum. Je crois que le SBD Dauntless, quand il pique, il est à 70 degrés. C'est déjà énorme, 70 degrés. Ça permet d'être très précis. C'est technique au niveau du bombardement, il faut des bons pilotes et de l'entraînement. Mais il n'y a pas beaucoup de bombardiers en piqué. Généralement, c'est très intéressant pour la marine. Parce que quand il faut couler un bateau, être précis, ça vous permet de mettre une bombe sur un bateau en mouvement. Donc la marine va très tôt s'intéresser, dès les années 20, entre autres l'US Navy, ils vont commencer à plancher sur... une idée d'avoir des bombardiers en piqué pour mettre des bombes précisément à un endroit. Et un de ces avions qui est assez intéressant pour le... Ah ! Nash qui fait péter des subs ! J'ai oublié d'ouvrir mes listes ! La catastrophe ! Hop ! Hop ! Nash, choisis un avion ou un char. Mes listes sont ouvertes. Hop ! Un peu en retard, mais elles sont ouvertes. Hop ! Aïe, 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 voilà, hop, voilà, voilà, le BR est dispo, le BR, ça me dit quelque chose cette merde-là, je préfère aller vérifier d'abord, ah oui, ça me dit quelque chose, mais le BR, c'est pas Seconde Guerre mondiale. Ouais, éventuellement. Allez, un peu d'après-guerre. Je vais être gentil, je vais être tolérant. Même si ça devrait pas être là, normalement.
1939 le proto. Ouais, mais c'est pas. Ouais, mais bon. Si après. Ouais, mais ouais, allez. Et j'aime bien le design de toute façon. Voilà. Bon. Hop. Et ça a traversé les âges, mais complètement. Complètement. Donc, ouais, l'US Navy va très tôt plancher sur des bombardiers en piqué. Alors, le problème d'un bombardier en piqué, c'est que oui, vous allez être plus précis qu'un bombardement horizontal, mais le fait de piquer comme un taré, vous allez imposer plus de contraintes à votre avion. Des contraintes structurelles, mais aussi des contraintes à votre pilote. Parce que, ouais, piquer comme un taré, c'est bien, mais quand va falloir redresser, qu'est-ce qui va se passer avec votre pilote? Il va se prendre la force centrifuge et il va prendre des jets dans la gueule. Beaucoup de G, et à l'époque, on comprend encore très mal ce concept de G et de l'impact de la force centrifuge sur le corps humain. Voile noire, absolument. Les Allemands, d'ailleurs, vont être les premiers à faire des énormes recherches à cause du Stuka. Donc, la plupart à l'époque des constructeurs et tout ne sont pas trop enclins à faire du bombardier en piqué parce que bah, c'est dangereux. Structurellement, les avions ne tiennent pas, les pilotes, c'est aussi dangereux pour les pilotes. Et une des particularités du Stuka, il a une énorme particularité, c'est pour ça que cet avion est en tout exceptionnel, c'est que ça va être le seul bombardier en piqué de la guerre à piquer à la verticale. Genre quand un Stuka il vous arrive dessus, il est au-dessus de vous. Genre il est au-dessus de vous, comme ça. Un SBD Dauntless, vous le voyez, arriver tranquille comme ça. Le Stuka est un avion terrifiant. Quand il attaque. Le Stuka est un avion terrifiant parce qu'il est, s'il vient pour vous, il est à votre verticale. Il est vraiment à votre verticale, le Stuka. Donc, en tout cas, les Américains vont pas mal plancher. Alors, cet avion est d'une laideur abominable. C'est un avion qui date de la fin des années 30, 1928. Vous ne le connaissez sûrement pas, mais il s'agit d'un des premiers bombardiers en piqué de l'US Navy, qui est le Curtiss XF-11C. L'US Navy en a eu moins de 30. Ça a équipé une seule escadrille. Bon, bah, c'est un avion un peu dégueulasse, hein, on va pas se cacher. Voilà, regardez-moi cet engin. Alors, les Américains vont pas l'utiliser beaucoup. Par contre, pour des raisons assez curieuses, ça va être un succès de dingue à l'exportation. Quasiment tous les pays d'Amérique du Sud vont l'acheter. Il va être dans tous les mauvais coups des années 30, entre les guerres, entre la. Le Pérou, la Bolivie, la Colombie, on va le retrouver partout. Les Chinois vont en acheter, les Chinois nationalistes vont se retrouver à combattre. On a ces espèces de machins qui vont affronter des A6 M5 Claude en 1937 et 1938. On a la Thaïlande, qui va acheter cet avion. Et quand les Thaïs vont basculer côté japonais, on a ces espèces de machins-là qui vont affronter des Hurricanes en 1941. Oui, donc cet avion va être, qui n'est pas connu du tout, va être un succès. À l'exportation. Et il s'avère que on est ouais, au début des années 30. Il y a un personnage important qui va voler avec cet avion et qui va même en acheter quelques-uns. Ce personnage, c'est Ernst Udet. Ernst Udet, on n'en a pas beaucoup parlé. Pourtant, c'est un personnage très influent. C'est un peu un. Il suit un chemin un peu parallèle à Hermann Göring. C'est un pilote de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, vous pouvez voir autour du cou, il a la pour le mérite. Donc, c'est un de ces as de la Première Guerre mondiale. Et c'est un peu le seul mec en Allemagne, le seul, qui comprend l'intérêt du bombardier en piqué, du bombardement en piqué. Et au début des années 30, quand les nazis vont arriver au pouvoir en 33, la première chose qu'ils vont lancer, c'est des programmes de réarmement massif, même s'ils ont techniquement pas le droit, ils ont les mains pas mal liées par le traité de Versailles. Et Udet est un des mecs, donc Udet est quelqu'un d'influent, hein, il fait la fiesta avec le gros Hermann. Udet, il va faire une démonstration devant Milk et compagnie. Udet, c'est un as déjà, c'est un excellent pilote, hein, Udet. Hein. Et c'est aussi un pilote d'essai. Et il n'hésite pas à montrer devant Weaver et compagnie, il leur fait une petite démonstration, regardez ce qu'on peut faire avec ça. D'ailleurs, il se crache presque en faisant sa démonstration. Udet va être capable de mettre le Reichsluftministerium sur l'idée de lancer un programme pour acquérir un bombardier en piqué. Alors, chez Junker, on va proposer un avion. Bah, alors, rappelez-vous que c'est un bombardier en piqué. Il faut que l'avion soit incroyablement robuste. Les contraintes structurelles imposées à l'avion sont énormes, aussi entre autres par rapport à la force centrifuge.
Donc il faut un avion extrêmement robuste. Donc chez Junker, on a un prototype qui va arriver en 1935. Donc le programme sort en 33. Vous allez vous marrer. Hein. Voici le prototype du Junker 87. Vous l'avez sûrement jamais vu cette photo. En 1935, donc on est en septembre 35 pour le premier vol. Ah. Voici le proto du Stuka. Qu'est-ce que vous pensez de ce magnifique avion? Oui, ceci est le Stuka. C'est là le V1 du Stuka. Donc V, c'est pour les prototypes chez les Allemands. Hein. Voici une autre photo. D'ailleurs, très intéressant, regardez à l'arrière. Il a un empennage en croix. Le V1 sera le seul qui aura un empennage en croix. Alors qu'on connaît les Stuka, ils ont un empennage. Ça vole ce truc, ça vole. Il est moche. Ah, il est plus que moche. C'est une immondice. Oui, alors à l'époque, ils veulent le motoriser avec le jumeau 210, sauf que le jumeau 210 a énormément de retard. Ils vont donc aller voir les Anglais. D'ailleurs, j'avais parlé de ça quand j'avais parlé du Rolls-Royce Merlin. Voici le Rolls-Royce Kestrel. Les Allemands vont acheter des Rolls-Royce Kestrel et chez Junker, on va mettre le Kestrel dans les premiers protos du Stuka parce que le moteur qu'on veut n'est pas prêt. Je vous cache pas que ça plaît pas du tout au Reichsluftministerium qui va grincer des dents à l'idée d'accepter un avion avec un moteur anglais dedans. Mais ils ont pas le choix les mecs chez Junker parce que ils ont pas de moteur. Donc là ce que vous voyez sur le V1, c'est le Kestrel qu'il y a dedans. C'est un moteur anglais. C'est amusant hein. Donc je vais vous remettre une petite photo du V1. Regardez-moi cette. Hey, il y a des hommes qui aiment les courbes. Là. Il y a de quoi faire, hein. Aïe, 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 aïe. Donc ouais, c'est un moteur anglais qu'il y a dedans. Ça va bien se passer, les premiers vols. Le radiateur est un peu petit, ce qui fait que le Kestrel a du mal à refroidir. Donc ça sera une des grosses contraintes, mais l'avion vole bien. L'avion vole plutôt bien. D'ailleurs, un petit mot sur le pilote d'essai de pilote d'essai de chez Junker, Willy Neuenhoffen, donc qui est le pilote en chef de chez Junker. Je dis son mot parce que, un petit mot sur lui, parce qu'en janvier 36, donc quelques mois après le premier vol, ils vont retester le... Ils vont continuer à faire des vols d'essai, et lors d'un piqué un peu agressif, devinez ce qui va se passer. La petite queue à l'arrière, vous avez vu là? La petite queue dégueulasse, là. Eh ben, elle va pas tenir la pression, et elle va exploser en vol. La structure de la queue arrière va exploser, l'avion va se crasher, Willy va être tué, et il était pas seul, hein. Il est avec son ingénieur. Donc on a le prototype V1 détruit, le pilote en chef de chez Junker tué avec un des ingénieurs, ça la fout mal. D'ailleurs vous pouvez voir, ça cette photo a été prise en 1929, vous pouvez voir qu'il y a la marque de fabrique des avions Junker derrière, puisqu'il y a cette... Junker était un des précurseurs au niveau de la construction métallique en Allemagne, et vous pouvez voir qu'il y a un Junker derrière. Très belle photo, c'est pour ça que je l'ai mise. Pas du tout pour Willy. Donc ouais, notre V1 va être crashé début 36. Donc le V1, on peut le voir, il est vraiment moche. D'ailleurs, un des concurrents de chez Junker, c'est Heinkel, le frère ennemi de Junker. Voici le prototype, un avion que vous connaissez sans aucun doute pas, parce que je ne le connaissais pas non plus. C'est le Heinkel 118. Le Heinkel 118, qui est pas un mauvais avion non plus. Il s'avère que Ernst Udet, en le testant lui-même, va le crasher. Alors que Heinkel avait... Udet détestait Heinkel. Et Heinkel avait bien dit à Udet, fais attention, fais pas ci, fais pas ça avec mon proto, et Udet va cracher l'avion comme un con. Et en sortant de l'avion, il va aller voir Heinkel, il va dire, de toute façon, c'est l'avion de Junker qui a gagné le concours. Bienvenue en Allemagne nazie, et comment on choisit les avions. Et je rigole pas. Udet a juste dit à Heinkel, de toute façon, ton avion, c'est de la merde, et je choisis l'avion de chez Junker. Sauf que l'avion de chez Junker, il est pas au point, il y a pas de moteur, il est pato as fuck. C'est un peu une catastrophe, l'avion de chez... peut-être Basile, je ne sais pas. En tout cas, le jumeau 210 n'est même pas encore prêt. Ils vont mettre un autre moteur, qui est le DB600. Donc qui est l'ancêtre du DB601 qui sera dans le BF109. Et il faudra attendre presque 1938 pour avoir le jumeau 210, le moteur. Donc après, ils mettront le jumeau 211. Et le jumeau 211 deviendra le moteur du Junker 87 pendant toute la guerre. Le Stuka aura des énormes problèmes pendant toute la guerre de sous-motorisation. C'était un avion massif, un avion très lourd,
Mais c'était un putain de fer à repasser. Parce que les Allemands vont sans cesse rajouter plus de choses dessus. Et bah, la vitesse s'effondre très très vite. C'est un avion qui va avoir des problèmes de moteur et de sous-motorisation. C'est pour ça que les Allemands vont sans cesse essayer d'améliorer l'aérodynamisme de l'avion pour entre autres gagner de la vitesse. Malgré cela, les Allemands. Hop là, voici la première version de série. C'est le. Donc là, vous voyez qu'il a plus. Il a plus le moteur Kestrel. On a sûrement là, je pense, le jumeau 210. C'est le Ju-87A. Vous pouvez reconnaître le Ju-87A. Regardez la taille de ses jupes, de son pantalon. Ça, c'est typique du Ju-87A. Dès que vous voyez ces énormes jupes, vous savez que c'est le Ju-87A. Voilà. C'est ce qu'ils vont envoyer en Espagne. Alors, à l'époque, les Allemands vont se rendre compte que. Ils réfléchissent à comment. Enfin, c'est bien bon d'avoir un avion en piqué, mais comment est-ce qu'on fait une attaque et tout ça. Le Ju-87 est un avion moderne. Oui, c'est un parpaing. Oui, il se traîne. Mais dans. Il a été designé comme bombardier en piqué. Il excelle dans ça grâce à pas mal de petites choses. C'est un avion incroyable en termes de design. Il a des énormes aérofreins. Il a un semi-pilote automatique qui permet au pilote, quand il mène son attaque, quand le pilote sait qu'il va perdre conscience. La façon dont les pilotes allemands attaquaient, et je vais montrer un peu comment ça marchait, il activait son petit truc et hop, l'avion tout seul sortait de la chute après l'attaque. Donc les pilotes prenaient facilement 3, 4, 5, 5G. Et l'avion avait un pilote automatique, des aérofreins. C'est un avion résolument moderne dans ce qu'il essaie de faire. Hop là. Selon la presse populaire, le Stuka devait remplacer le Hanschel 123. Non, le Hanschel 123 est limite un concurrent du Stuka. Hanschel a présenté son avion au même concours. Et le Stuka est. D'ailleurs, le Hanschel 123 restera en service quasiment toute la guerre aussi, mais dans d'autres tâches. C'est des avions qui n'ont pas vocation à être concurrents. Hop là. Donc, ouais, autre chose. Les G. J'ai dit tout à l'heure, les Allemands prennent des G. Alors comment ça se passe? Alors attendez, je vais vous montrer comment les Allemands font une attaque. C'est une tactique d'attaque assez incroyable. L'avion arrive à l'horizontale, pivote, tombe à la verticale, et une fois qu'il est très près, balance sa bombe et remonte. Ça n'a rien à voir avec comment les Japonais ou comment les Américains attaquent dans le Pacifique au niveau bombardement en piqué. C'est extrêmement risqué. Comme je dis, un Stuka arrive à 90 degrés à l'attaque. C'est assez terrifiant d'imaginer un Stuka qui vous arrive dessus à la verticale. Et en plus, vous l'entendez, mais ça, je vais en reparler. Mais un Stuka vous attaque à la verticale, alors qu'un SBD Dauntless, qui déjà pique dur, va vous arriver sur un angle environ de 70 degrés lors d'une attaque en piqué. Et ce type d'attaque extrêmement dingue permet aussi d'être extrêmement précis. Les bons pilotes allemands, sans problème, mettaient une bombe dans un rayon de quelques mètres. Ils savaient exactement où ils plantaient leur bombe, et les pilotes allemands étaient très bons dans ça. Et le problème de ce type d'attaque, c'est que vous allez être précis, mais au moment de redresser. Le pilote va être écrasé dans le siège avec la force centrifuge. Les Allemands vont s'en rendre compte et vont faire des études poussées sur le corps humain à cause du Stuka, de comment est-ce qu'on protège nos pilotes, ou comment on a les premières recherches vraiment poussées dans ce domaine qui vont être faites par les Allemands pour le Stuka. Les pilotes de Stuka ont une combinaison spéciale pour ça. Ils ont entre autres le Stuka, il vole pas au-dessus de 5000 mètres. Hein, il n'a pas besoin de masque à oxygène. Un pilote de Stuka a toujours son masque à oxygène, c'est réglementaire, parce qu'ils se sont rendu compte que en sortie d'attaque, avoir le masque à oxygène permet de sortir plus vite avec tout simplement le mélange qui arrive tout le temps dans vos poumons. Ça permet de. Vous allez perdre facilement conscience pendant 5-6 secondes. Hein. Avoir un masque à oxygène aide, les Allemands vont faire des recherches vraiment poussées. D'ailleurs, ça sera pas perdu pour tout le monde, hein, parce que les Américains, à la fin de la guerre, vont mettre la main sur tout ça. Ils vont tout récupérer. C'était vraiment des. Et le Stuka, ils vont même pressuriser certains cockpits de Stuka.
Et ça m'a, la pressurisation aidait énormément pour les G. Mais c'est. Ça ne posait pas un problème à l'entraînement. Bah, figure-toi que c'est exactement ce qu'ont dit les généraux de la Luftwaffe quand ils écoutaient Udet. C'est qu'ils disaient, ouais, mais toi, Udet, tu sais piloter, mais les gamins qu'on va mettre dans les Stuka, là, comment est-ce qu'on leur apprend genre, il faut avoir une paire de couilles pour tomber en piqué. Tomber en piqué, avoir le sol qui vous arrive à la verticale. Faut avoir une paire de balanches pour faire ça. Et beaucoup de généraux de la Luftwaffe étaient très sceptiques sur le bombardement en piqué. Entre autres à cause, comme tu dis, de cette façon de bombarder totalement dingue. Ça n'a rien à voir avec ce que les bombardiers en piqué qu'on a ailleurs faisaient. Les pilotes devaient être épuisés, bien sûr. Mais bon, après, les mecs s'entraînaient comme des tarés, hein. Les élèves qui se sont tués par accident. Ah bah ça a dû arriver forcément, hein. Oh. D'ailleurs, ça va. On va avoir nos premiers Stuka qui vont être envoyés en Espagne. Ils vont en envoyer d'abord un pour tester 2-3 trucs, et après ils vont en envoyer une poignée. C'est des oiseaux rares, tout était secret sur l'utilisation des Stuka. Les Allemands voulaient surtout pas que des Stuka ou des pièces de Stuka arrivent un peu. Donc ils vont en perdre qu'un seul de Stuka. On va en avoir dessus Barcelone qui vont aller faire le coup de feu. Les Allemands vont beaucoup apprendre sur comment bombarder justement. Comment rentabiliser au maximum le Stuka? D'ailleurs, ils vont mettre au point si c'est des bons pilotes qu'il y a dedans, beaucoup de pilotes d'essai. D'ailleurs, c'est des prototypes. Hein. C'est la fin. Les premières versions de série sont les prototypes. Dites-vous qu'il y a eu plus de 30 prototypes de Stuka. En 1943, il y a encore des protos de Stuka qui volent pour tester des nouvelles choses. Hein. C'est un avion qui va jamais s'arrêter de voler. C'est un petit laboratoire, le Stuka. Donc, ouais, l'Espagne va être. Ils vont faire le coup de feu. Donc, ils vont se battre, ils vont larguer de la bombe, ils vont faire du strafing. Alors, au niveau armement. Les premiers Stuka, c'est catastrophique. Hein. Ils se rendent compte que l'avion est tellement lent en Espagne. Genre, l'avion est tellement lent, rappelez-vous que c'est un avion massif. Regardez la taille de ce train d'atterrissage et tout. Il est sous-motorisé. Ils peuvent pas mettre autre chose qu'une bombe de 250 kilos. Pire, ils vont même très souvent y dégager le mitrailleur arrière pour gagner du poids, tellement l'avion était lent et se traînait. Le Stuka est vraiment lent et ça se ressentait dans les premières versions. Et ça, c'est entre autres dû au manque d'aérodynamisme. Juste une, oui, les premiers Stuka ne prennent pas de bombe parce qu'entre autres, ils sont tellement déjà lents et lourds de base que ils peuvent pas prendre autre chose. Donc en Espagne, ils vont tester avec une petite bombinette de 250 kilos et l'armement qui sera standard quasiment pendant toute la guerre, c'est une mitrailleuse. Une petite mitrailleuse de défense à l'arrière, deux petites mitrailleuses dans les ailes. C'est un avion qui est très faiblement armé pour un avion d'attaque au sol. Comme je dis, c'est un bombardier en piqué et il ne sait rien faire d'autre. C'est le meilleur bombardier en piqué de la guerre, mais il ne fait rien d'autre que ça. Le bombardement en piqué, il le fait incroyablement bien, mais à part ça, il ne sait rien faire. Voilà. Pas de mitrailleuse à l'avant. Bah si, les deux mitrailleuses dans les ailes. Enfin, qu'est-ce que t'as pas compris? Elle tire pas vers l'arrière, les mitrailleuses dans les ailes. Donc ouais, en tout cas, les Allemands vont beaucoup apprendre en Espagne, mais va pas y en avoir beaucoup. Hein. Comme je dis, c'est un oiseau très très rare dans le ciel espagnol. Alors j'ai des très très belles photos. Les reporters de guerre de la Légion Condor se sont fait plaisir. Hop là. Alors là, vous voyez que ce sont plus des A, mais sûrement les premiers B qui sont arrivés en Espagne. Intéressant, parce que là, on voit que le train d'atterrissage n'est plus le même. Ou alors, c'est peut-être carrément des Espagnols. Les Espagnols ont eu quelques Stuka. Là, regardez-moi ce monstre! Alors, la photo colorisée est de mauvaise qualité, mais la colo est très très belle. Donc là, on voit que ce sont des A. Donc, c'est deux personnes dans l'avion. Ouais! Deux personnes. Ouais, 2,20 mm, même si ça reste une petite sous-version, les 2,20. Hein. Normalement, la version G devait avoir des deux canons de 30, mais Rudel est intervenu pour qu'on foute deux BK sous les ailes, de 37. Mais c'était pas. C'était des. C'est des. Je pense pas que les 20 mm soient en pod. C'est un avion, en fait, qui est un des problèmes en Espagne, et c'est un problème qui va encore arriver à. L'avion est déjà tellement lent qu'il est obsolète en fait. L'avion est déjà en Espagne par rapport à un I-16. L'avion est obsolète. Un des avantages, c'est qu'ils vont jamais être confrontés à de l'aviation soviétique. Entre autres parce qu'ils sont escortés, pour des raisons de sécurité, parce que les Allemands veulent surtout pas qu'un avion soit abattu et tombe intact aux mains des républicains ou quoi que ce soit.
Les Allemands vont peaufiner certaines tactiques, mais vont pas se rendre compte. C'est dommage parce qu'ils auraient pu... à quel point l'avion est déjà trop lent. Ils ont en fait, les Allemands se rendent compte de la lenteur parce qu'il peut pas porter assez de bombes. Mais ils se rendent pas compte de sa, sa vulnérabilité déjà face aux chasseurs existants. D'ailleurs, ça va tellement bien se passer en Espagne que Udet va être entendu. À l'époque, il y a pas mal de bons avions allemands en développement. On a l'excellent Junker 88. Vous connaissez le Junker 88, j'espère. Eh ben, le Junker 88, le Stuka va être victime de son succès. Et les Allemands, on va avoir une frénésie autour du bombardement en piqué. Et qu'est-ce qu'ils vont dire, ces cons du Reichsluftministerium? Ils vont dire « Transformez-nous le Junker 88 en bombardier en piqué !» Le Junker 88 est un bombardier en piqué aussi. Le Ju-88 peut bombarder en piqué. Pas comme un Stuka, mais il peut bombarder en piqué. Pire! À l'époque, il y a un bombardier stratégique allemand en construction. Est-ce que vous savez lequel on va demander le seul bombardier stratégique en piqué de la guerre? Quel avion? Quel... Ils vont... Les Allemands, quoi. Ils vont... eh ouais, le Heinkel E-177. Donc ça, c'est un quadrimoteur, on s'en rend pas compte, mais il y a deux moteurs en tandem à l'intérieur. Ils vont dire, le Heinkel 177, mettez-nous des aérofreins. On veut que le Heinkel 177 bombarde en piqué. Imaginez, on demande ça à Boeing. Eh, hey, les gars, votre B-17. Putain, on tape à ma porte. Ah. Sorry, I'm working, I guess, what's your name? Tim. It's over there, I think. Oh, it's this one? Yeah. Oh, sorry. Thanks. Sorry, it's on the point. Putain. Toujours au bon moment que ces connards viennent, hein. Je l'ai envoyé chier. Je lui ai dit c'est pas pour moi. Dommage, je voulais lui dire, ouais, c'est moi, donne-moi tout. Alors, ouais. Ces espèces de couillons vont se dire que le Heinkel 177 ferait un bombardier en piqué. Ça se fera pas, mais ils vont vraiment... le programme du Heinkel 177 va être énormément retardé parce que les ingénieurs vont devoir retravailler toute la structure de A à Z parce que le bombardement en piqué impose beaucoup de contraintes techniques à l'avion. Ah là 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 là! Les Allemands. Mais ça, c'est le Reichsluftministerium dans toutes ses aberrations, hein. J'aurai la chance prochainement de parler du RLM et de à quel point c'était un colossal... Bordel. Non, le Heinkel 111 va être épargné par ça. Mais bon. Alors, j'ai vu pas mal de gens qui parlaient de la fameuse, les fameuses trompettes de Jéricho, la sirène. On va voir un peu ce que c'est. Déjà, les Allemands l'ont jamais appelé comme ça. Hein. Ils l'appelaient la sirène, hein, ou ils l'appelaient le terme administratif, c'était dispositif émetteur de son. Voilà. C'est un terme qui arrivait après-guerre, ce terme-là. Et souvent, des gens qui l'ont subi. Alors, comment ça marche? Cette abomination, parce que c'est une saloperie, hein. C'était détesté par les pilotes, hein. Est-ce que vous voyez où elles sont? Est-ce que vous voyez ces petites hélices, ces petites merdes, là, au niveau du train d'atterrissage? Attendez, je vais monter mon chat. J'ai tellement de photos ce soir, ah là 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 là. Voilà, les petites hélices. Ça, alors à la base, c'était pas un truc implémenté d'usine, c'était rajouté en route ZSE, donc en kit, par les mécanos. Oui, mais elles servent à quoi? Elles servent à faire du bruit. Pour faire simple, quand le Stuka pique, il fait un bruit énorme. Et oui, ils ont voulu aussi, entre autres, faire du 262, hein. Donc les hélices, quand elles tournent, c'est juste pour faire peur. Complètement. C'est de la guerre psychologique qui fonctionne incroyablement bien. Le problème, parce que oui, c'est bien de mettre ce genre de dispositif pour amuser la galerie et faire peur, c'est que déjà, l'avion est lent. L'avion est lent. L'avion perd 30 km/h. L'avion perd 30 km/h avec cette merde. 30 km/h. Ben oui, ça fait de la drague. Mais... ça fait de la résistance, et ça fait de la résistance, c'est lourd, et déjà l'avion se traîne. Pire, est-ce que vous savez pourquoi les pilotes haïssaient ce système? Ça devait être un brouhaha énorme pour le pilote. Oui, parce que le problème, c'est que ce truc s'arrête jamais.
arrêter. C'est-à-dire que oui, ça fait beaucoup de bruit quand le pilote plonge, parce que bah forcément, il gagne de la vitesse, ça fait tourner l'hélice plus vite. Mais quand il est en vol horizontal, bah, la sirène, elle continue de faire du bruit. Ça déstabilise l'avion piqué. Il y avait un autre souci dont je vais parler. La sirène faisait toujours du bruit, ça rendait les pilotes fous. Les pilotes détestaient ce système parce que ça les stressait. Ça devait être bien chiant pour communiquer là. Mais bien sûr, c'est vraiment un truc à la con, hein. Donc ouais, et en plus de ça, les premières versions donc de cette sirène, alors vous les verrez souvent ces sirènes, hein, regardez, là il y en a une autre, on la voit bien, donc il y en a deux de sirènes, hein, il y en a une sur chaque aile. Hop là, oh désolé Florian, t'as pas le droit de mettre des liens dans le chat. Et donc ouais, les premières versions seront rajoutées en escadrille, et à partir d'une certaine date, ce sera directement implémenté en usine. Mais les premières versions en escadrille étaient souvent mal fixées, et pendant le piqué, il n'était pas rare que l'hélice s'arrache, embarquant avec elle une partie du train d'atterrissage. Donc on a des Shtuka qui rentraient sans leur trompette de Jericho, et avec la moitié du train arraché quand c'est pas tout qui s'était barré avec. Donc c'était un dispositif pas apprécié du tout de ces pilotes, mais c'était un dispositif terriblement efficace. Ça faisait un potin monstrueux. En 1940, on a un général français dont j'ai oublié le nom, qui est fou de rage quand il voit toute sa batterie d'artillerie foutre le camp, parce qu'il y a un Shtuka qui leur arrive dessus, ou pas loin, et rien qu'au bruit, ça devient en fait un... Comme je vous dis, se faire attaquer par des Shtuka, c'est pas chouette. Surtout que vous voyez le Shtuka, vous arrivez dessus à la verticale. Et c'est une arme psychologique affreusement efficace. Mais... les contraintes, c'est que ça, les pilotes, ils les enverraient pas eux-mêmes. Ah non, mais ça marche pas comme ça, Pépère. C'est une arme réglementaire, hein. Tu sais, quand ça vient du Reichsluftministerium et que tu dois la mettre, bah tu la mets, quoi. D'ailleurs, très souvent, ils les enlèveront et vous verrez pas les hélices. À partir d'une certaine date, ils vont commencer à en avoir marre. Déjà parce que ça ralentit trop, l'avion. Mais vous verrez les supports qui sont là, mais il n'y a plus les hélices. On verra sûrement des photos plus tard. Voilà. Donc le vrai baptême du feu du Shtuka, ça va être en Pologne en 1939. D'ailleurs, ils vont attaquer dès 4h du matin. La première victoire aérienne, c'est un Shtuka qui va abattre un malheureux PZL P11 polonais, je crois. C'est la première victoire aérienne de la guerre. En tout cas, les Shtuka, forts de l'expérience de la guerre d'Espagne, les Allemands ont vraiment un savoir-faire là-dedans. Ils sont bons, hein. Et j'insiste sur le fait que, certes, il est lent, mais c'est un... En termes, par rapport à ce que les Allemands font comme type de guerre, cette guerre de mouvement très rapide, où les avions suivent la progression et qu'on a une des communications constantes, on a la Luftwaffe, les points de blindés, tout ce petit monde travaille ensemble, cet avion est génial. Il est parfaitement adapté à ce que les Allemands font comme type de guerre. C'est vraiment un avion qui délivre des attaques d'une extrême précision. Et on le verra plus tard, il sera aussi incroyablement efficace contre des bateaux. C'est vraiment c'est le meilleur bombardier en piqué de la guerre, et j'insiste là-dessus. C'est pour ça qu'il sera jamais remplacé jusqu'en 45. C'est que, oui, il est obsolète. Il est obsolète quasiment depuis la guerre d'Espagne. Mais être obsolète ne veut pas dire que vous êtes pas efficace. Attendez. Ça, c'est mon téléphone. C'est un Nokia 3310, une espèce de version remasterisée du Nokia 3310. Est-ce qu'il est obsolète? Complètement. Mais il est incroyablement efficace. Il est plus efficace dans pas mal d'aspects que ses contemporains d'aujourd'hui, qui sont peut-être plus couteau suisse, mais voilà. Le Shtuka, c'est ça. C'est un avion obsolète, mais qui est incroyablement efficace dans ce qu'il fait. Et il aura, c'est pour ça qu'on se retrouve encore avec des Shtuka qui volent au printemps 45. C'est que bah, le Shtuka est bon dans ce qui est, dans son domaine à lui. Alors, donc ouais, la campagne de Pologne... faisait de la merde, mais l'Allemagne était quand même pas trop mal équipée à cette époque. Ouais, bien équipée, ouais. Enfin, tu sais, elle était bien équipée, mais personne voulait faire la guerre chez les Allemands, hein. C'est Hitler qui pousse au portillon, hein. L'Allemagne était bien équipée, mais c'est surtout les autres qui étaient mal équipés. Si l'Allemagne est bien équipée, pourquoi est-ce qu'elle utilise des chars tchèques, puis des chars polonais? Non. Les Allemands, certes, ont une bonne armée, mais... c'est pas le matériel qui est bon chez les Allemands, c'est la doctrine. Merci la guerre d'Espagne, les Allemands ont la chance d'avoir une excellente doctrine, et encore, ils vont perfectionner ça au fur et à mesure des années, jusqu'en 41, qui est vraiment leur pic
1941, c'est le pic de la guerre allemande, de la guerre de mouvement. Mais c'est plus les mentalités, les soldats, les officiers, et toute cette guerre de, et toute cette nébuleuse de la guerre de mouvement qui est bon. Tu t'en fous du matériel. Si tu sais bien utiliser ton matériel, et c'est là où les Allemands sont forts. Les Allemands, ils ont moins de tanks que les Français, mais ils utilisent mieux. Il y a peut-être dans l'aviation, ouais, l'aviation, ils sont un petit peu au-dessus, parce qu'ils sont partis de plus loin, mais le manque de préparation chez l'ennemi, c'est ça, aussi. Hein. Les Allemands sont pas forcément mieux équipés, mais en tout cas, ils sont sans aucun doute mieux préparés, mieux entraînés, et avec des meilleurs officiers et des meilleures doctrines. Voilà. Je sais que c'est pas facile à assimiler. Le Stuka rentre parfaitement dans ce cadre de guerre que mènent les Allemands. Cette guerre de mouvement super agressive, où on pousse, il est fait pour ça, le Stuka. Et il le fait très très bien. J'ai des très belles photos des Stuka. Voilà, tac. Voilà. D'ailleurs, entre-temps, après la guerre d'Espagne, il y a un pays qui va être intéressé par le Stuka. Un pays qui n'est pas encore en guerre. Enfin, pas encore en guerre. Ça, vous savez où c'est? Oh, si vous regardez bien, vous allez peut-être reconnaître, hein. Si vous regardez un peu sur les ailes, vous pouvez voir à qui appartient cet avion. C'est le Japon, absolument. Le Japon va demander aux Allemands de Stuka pour être évalués. Pour être évalués, parce que les Japonais sont très intéressés par les performances du Stuka. Mais ça s'arrêtera là. Donc on aura deux Stuka japonais. Vous voyez que c'est des versions A. À la taille de l'énorme train d'atterrissage, c'est la version A. Alors, mais Stuka. Stuka. Sturzkampf Flugzeug. Avion de bombardement en piqué. Sturzkampf Stuka. Sturzkampf. Les Allemands aimaient bien faire ça. Vous avez aussi, par exemple, le char, le Sturmpanzer. Sturmpanzer Stupa. Les Allemands aimaient donner, c'est un nom familier, hein. Stupa, Stuka. Par exemple, la version G avec les canons sous les ailes, Bord Kanone, canon de bord, BK. BK, Stuka, Stupa. Donc vous retrouvez un peu les mêmes façons de nommer les véhicules pour les Allemands, et ça c'est familier, hein, comme terme. On va avoir forcément la bataille de France va être trop rapide pour que les Allemands voient vraiment les faiblesses de leur avion. Même la bataille de France, c'est encore un... C'est... on dit pas un Stuka. Désolé, Skyros, on dit pas un Stuka. Le Stug... Y a pas de A. C'est Stug, voilà. Mais c'est la même façon de tout coller, quoi. Donc ouais, la bataille de France va aussi être un bon laboratoire pour les Allemands. Même s'ils vont pas perdre tant que ça de Stuka. Et le problème, c'est la bataille d'Angleterre. Le Stuka est un bon avion dans ce qu'il fait, et les Allemands finissent par avoir trop de confiance, trop la grosse tête. Ils vont jamais être mis trop en difficulté dans les airs, tant technologiquement qu'au niveau supériorité aérienne. Et va arriver la bataille d'Angleterre à l'été et début automne 1940. Et là, ça va être le drame. Alors, le Stuka va briller au début de la bataille d'Angleterre. Le but des Allemands va être de couper tout l'axe maritime de la Manche, donc d'ailleurs d'empêcher la navigation anglaise dans la Manche, et les Stuka vont se régaler. Les Stuka vont... Et c'est là où on va se rendre compte que le Stuka, non seulement est bon en bombardement terrestre, mais il est encore meilleur pour taper des bateaux. C'était la première fois que le Stuka allait commencer à aller taper des bateaux en mer. Les Stuka vont se régaler. Couler du croiseur, ils vont même aller taper dans les ports anglais des bateaux au mouillage. Et les Stuka vont être incroyablement efficaces pour taper la Royal Navy. Et ils le seront pendant... c'était déjà arrivé, bien sûr, Dunkerque, Norvège. Ils avaient déjà mis des coups au but, les Stuka. Les Allemands vont avoir encore plus la confiance. Et on va aller commencer à taper les aéroports. On va aller taper les bases radars. On y va sans escorte. Et, mais je vous dis, les Allemands n'ont pas conscience à quel point, à l'époque, le Stuka est... Et dépassé, et surtout ils ont jamais eu la chance d'affronter une armée de l'air technologiquement supérieure, ce qui est le cas des Anglais. Les Anglais
vont introduire les radars, les Anglais vont être capables de commencer à guider des petites formations d'avions sur des formations d'avions qui sont des bombardiers pour esquiver la chasse. Les Anglais vont utiliser son, technologiquement parlant, supérieur aux Allemands, ils vont utiliser ça à plein volume. Et ça va commencer à mal se passer pour les Stuka allemands. Hein. Fin août 40, ils vont en perdre 16 en une journée. Ils vont en perdre 16 en une journée. Parce que bah, ils sont allés au carton sans escorte taper des stations radar anglaises. Et les Allemands vont se rendre compte, avec effroi, qu'à la fin août 40, ils ont déjà perdu quasiment 30% de leurs Stuka dans leurs escadrilles en l'espace de 2 mois. La fin de la bataille d'Angleterre est un désastre pour les Allemands quand ils comprennent à la dure que le Stuka, soit il faut le protéger, soit il faut... C'est un avion obsolète. Ah, il est bon, si vous arrivez à l'amener sur la cible pour qu'il fasse sa petite manœuvre, il est excellent. Mais il est obsolète face à une armée de l'air qui se défend. Les Allemands comprennent qu'il faut commencer à protéger les Stuka. Voilà. Donc dès septembre 40, les Allemands vont retirer des opérations les Stuka. Et on va les envoyer là où ils vont être le plus efficaces, parce qu'on sait que le niveau technologique est plus bas. Donc on va les envoyer en Yougoslavie, ils vont aller faire des cartons en Méditerranée, on va commencer à les envoyer en Afrique. Partout où la technologie est à l'ouest, on les verra plus. Les Stuka vont disparaître à l'ouest, on verra plus de Stuka à l'ouest. Parce que les Allemands, heureusement, ont compris dès la bataille d'Angleterre que la Royal Air Force était technologiquement imposée un rythme que le Stuka pouvait plus suivre. Par contre, sur les théâtres d'opérations secondaires, et c'est là où il opérera jusqu'à la fin de la guerre, enfin, si on peut... Moi, j'appelle l'Union soviétique, la guerre aérienne en Union soviétique est un théâtre d'opérations secondaires. La vraie guerre aérienne est sous l'Allemagne, après, technologiquement parlant, c'est là où les Allemands souffrent le plus. Et le Stuka ne remettra plus les pieds à l'ouest. Enfin, avant le printemps 45, où les Allemands vont commencer à réutiliser le Stuka de dépit en Allemagne. Alors, là, comme vous pouvez vous en douter, Barbarossa, même la Russie va être un théâtre d'opération pour le Stuka. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit, mais le Stuka est un avion, mine de rien, robuste. C'est un avion qui se... Logistiquement, c'est un excellent avion, le Stuka. Il n'est pas compliqué à réparer, il se laisse piloter, c'est un bon avion. C'est un très bon avion. Et c'est pour ça que, en Union soviétique, là où... Les interceptions se font moins, il y a moins de technologie en face. Le Stuka, il va briller. On peut dire que le Stuka est totalement à l'ouest, oui, absolument. Par contre, là, il va être totalement à l'est, le Stuka. Et on a des photos incroyables des Stuka en Union soviétique. Regardez-moi ça. Même en hiver, hein, le Stuka. Comme il va subir tout ce syndrome de l'armée allemande, ce syndrome de la logistique. Hein. Les Stuka, ils sont bons, mais ils sont aussi dépendants d'avoir des aéroports, d'avoir des stocks de carburant, de pièces détachées. Et l'Union soviétique est tellement grande que la Luftwaffe va, comme l'armée allemande de base au sol, la Luftwaffe elle va caler, hein, parce qu'elle ne peut plus avancer. Mais ça reste, logistiquement parlant, c'est un très bon avion, le Stuka. C'est un très très bon avion. Et c'est pour ça que... Et c'est un monomoteur. On va essayer de le remplacer avec des bimoteurs. Mais est-ce que vous pouvez pas faire 2 Stuka pour le prix d'un Henschel 129? Le Stuka est un monomoteur qui fait bien le boulot, mais qui est lent. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, je vous ai mis un peu l'armement. L'armement, parce que c'est vrai qu'on oublie que la version D, qui est vraiment la version la plus construite, et pas mal d'autres sous-versions vont dériver soit de la B, soit de la D... On oublie que la D arrive à l'été 1941. La D arrive, les premiers protos arrivent en 1941, à l'été 1941. Donc les Allemands vont vraiment faire un énorme travail pour améliorer l'avion au niveau du poids, au niveau de l'aérodynamisme. La D peut embarquer une bombe de 1 tonne. Vous vous rendez compte, en Espagne, ils ne pouvaient pas embarquer plus d'une bombe de 250 kg à cause du poids. Comment ils s'en sortaient face à la DCA ? C'est un avion robuste, hein. C'est un avion robuste, mais il est lent. Et comme tout avion lent, t'espères, t'attaques en masse, t'attaques jamais seul en Stuka. T'y vas à plusieurs, pour entre autres saturer la DCA.
Un des coups d'éclat qu'on attribue au Shtuka, c'est la destruction du Marat dans le port de Leningrad. Donc on pense que c'est Rudel et un de ses équipiers qui avaient une bombe de 1 tonne. D'ailleurs, Rudel coule le Marat assez tôt en juin, donc on suppose que Rudel a eu un des premiers avions, un des premiers dés de série qui est sorti début juin, fin mai, début juin, les premiers dés sont arrivés en escadrille. Donc on pense que Rudel est allé couler le Marat avec un des premiers dés qui est sorti. Et vous pouvez voir que le dé pouvait embarquer un armement extrêmement polyvalent. Donc là, donc une bombe de 1 tonne. Alors généralement, ça c'est les chiffres, c'est le théorique. En escadrille, pour des raisons techniques, ils évitaient de mettre l'avion à charge maximale. Déjà pour avoir plus de marge au niveau essence, mais aussi, rappelez-vous qu'ils opèrent depuis des terrains de campagne. Depuis des terrains potentiellement difficiles, boueux, vous pouvez pas mettre l'avion à pleine charge. Donc là, ce que vous voyez, c'est un peu de la branlette. Regardez tout ce que le Shtuka peut porter. Non, en opération, ils évitaient très rarement de mettre la charge maximale sur le Shtuka. Hop là. Donc ouais, regardez-moi ces photos de Tchad. Donc c'est... Vous la voyez, la trompette de Jéricho, là? Regardez ça, hop. On la voit bien, là, la petite trompette de Jéricho qui est sur l'avion. Magnifique, hein? C'est un avion qui a son charme, hein. Donc, vous avez vu un peu l'évolution. Alors, ça, c'est un B. Mais vous avez vu l'évolution un peu entre le proto-V1 et le B. À quel point les Allemands ont essayé de travailler le design pour gagner du poids et de l'aérodynamisme. Regardez des très belles photos. Hop là. Alors, est-ce qu'il a les trompettes de Jéricho, là? Je suis même pas sûr. Ouh, petite photo colorisée, magnifique. Là, vous voyez qu'il y en a beaucoup de Shtuka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc ouais, vu que c'est un avion lent, vous évitez d'aller faire du 1v1 contre la DCA. Vous arrivez avec beaucoup d'avions pour justement saturer la DCA. Alors, on va avoir des versions très intéressantes. Souvent, c'est des versions dérivées des B et des D. Donc, c'est des modifications qui vont être faites en usine. On prend une version principale et on la transforme. On a la version R. La version R, qui, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais qui est une version très intéressante de très longue distance. C'est un Shtuka qui va être fait pour la chasse aux navires à longue distance. Ils vont donc lui mettre des réservoirs supplémentaires intérieurs. Mais aussi, vous pouvez voir à droite, il a un drop tank. D'ailleurs, ça c'est la version R est dérivée du B. Ensuite, sur le D, le D pouvait avoir des réservoirs supplémentaires. Pareil, on va avoir la version R, la même version qui va aussi, regardez, tirer des planeurs. Là, c'est des DFS 230. Vous pouvez voir qu'il y a un réservoir supplémentaire sous l'aile. Ça va surtout équiper une escadrille en Norvège. Il y avait une escadrille allemande qui était là en Norvège, donc sur les bases du Cap Nord, pour aller attaquer les convois qui chassaient. Pour aller chasser les convois en. Attendez, une belle photo de Mir qui passe. Voilà. Donc voilà, ça, je pense que ce sont des R, puisqu'on voit un réservoir supplémentaire. Donc voilà, les Allemands avaient une escadrille de chasseurs de bateaux. En Norvège, pour chasser en fait les convois qui ravitaillaient l'Union Soviétique. Vu qu'ils partaient d'Islande, ils passaient au large de la Norvège, ou le PQ-17 par exemple, bah, les Shtuka venaient, on avait des Heinkelsa 11 torpilleurs, mais on avait aussi des Shtuka R qui venaient faire du carton. Donc il leur fallait beaucoup d'autonomie, c'est pour ça qu'on leur mettait des drop tanks, et en plus on leur mettait des... ils avaient des réservoirs supplémentaires internes. Donc c'est ça, c'est encore une version qu'on verra pas beaucoup, mais qui sera utilisée pendant quasiment toute la guerre. En parlant de torpilles et compagnie. À l'époque, les Allemands sont en passe d'avoir un porte-avions, le Graf Zeppelin, et ils vont se dire, quel avion on va pouvoir mettre? On va mettre le BF-109, forcément, je crois que c'est le BF-109T, et ils vont navaliser, on va demander à Junker de navaliser le Shtuka. Et regardez-moi ce magnifique Shtuka, le Ju-87C. C'est la version navalisée qui avait vocation à aller sur le Graf Zeppelin avec les ailes repliées. Donc ils avaient fait une magnifique version avec un brin d'arrêt et tout. C'était un beau joujou, regardez ça. Je suis fan
du C, de la version C du Stuka. Il avait certaines structures qui étaient renforcées aussi, parce que quand vous navalisez un bateau, va falloir penser aux contraintes que l'avion va subir à l'atterrissage et au décollage. Mais c'était la version navalisée. Alors il n'y a eu que quelques prototypes, hein, vu que le Graf Zeppelin n'a jamais été fini. Et Göring était malade. Göring en faisait des coliques à l'idée de mettre des Stuka, ces Stuka, sur un pont de la marine. Donc Göring a aussi beaucoup travaillé pour saborder tout ça. Il a l'air très content, regardez-le comme il se marre, le Stuka. Il rêvait de s'engager dans la marine, hein. On verra du pays. Hop là. Alors, regardez-moi cette version. Il a les petites bombinettes sous les ailes, un B. On voit les emplacements des sirènes de Jéricho. On voit des petites bombinettes sous les ailes. Pareil de l'autre côté. Donc à la fin, entre les premières versions et les fins de version, le Stuka se transforme en camion à bombe. Hein. C'est un avion d'assaut, vraiment c'est un camion à bombe. Le Stuka, il est lent sans aucun doute, mais c'est un camion à bombe extrêmement précis, extrêmement apprécié. Regardez-moi cette photo, j'espère que vous savez où on est sur cette photo. Il n'a pas les trompettes. Alors elles tournent, donc tu les vois pas peut-être. On reconnaît quand même, surtout le fleuve derrière. Très belle photo. Donc tant qu'il n'y a pas trop de supériorité aérienne, bah ça se passe bien pour les Allemands. Londres, Paris, c'est Stalingrad, bande de noobs. Bien sûr que c'est Stalingrad. Tu penses que la Seine, elle fait cette taille-là? Ou que la Tamise, elle fait cette taille-là? Putain, les gars, merde! Oh là là, il y en a qui ont pas vu à quoi ça ressemble la Volga, hein, parce que... c'est voilà, quoi. C'est Stalingrad. C'est Stalingrad. Donc c'est un Stuka dessus Stalingrad. Pendant tout l'été 42, les Allemands ont la supériorité aérienne dessus Stalingrad. Il va falloir attendre très tardivement à la fin 42, avec l'arrivée de l'hiver et l'effondrement de la logistique allemande, pour que les Russes commencent à se réimposer dans les airs. Mais les Stuka de von Richthofen vont faire des... ça va être pour eux le tir forain, Stalingrad. Hein. Ils vont se régaler. Hein. Je vous invite à aller voir les vidéos de Tic où ils parlent un peu parfois du support aérien allemand qui va raser Stalingrad, ou même parfois ils parlent de Stuka qui attaquent les renforts et tout ça. Les Allemands sont à même, grâce à leur supériorité aérienne en 42, mais ouais, on n'est pas en Angleterre, les Stuka brillent à l'été 42, grâce entre autres au fait que l'aviation russe brille par son absence. Donc ouais, on a des très très belles photos. Alors, en 42, on a une nouvelle version début 43 qui va arriver. Cette version, vous la connaissez tous, hein. On a un nouvel avion qui doit arriver, c'est le Heinscholl 129. Mais le Heinscholl 129 rencontre beaucoup, beaucoup de difficultés, tant au niveau production que sous-motorisation. Et le Stuka va souvent être utilisé pour... Surtout que l'aviation russe recommence à faire son apparition. Ce qui fait que les Stuka ne peuvent plus opérer sans être lourdement escortés. Non, je parle pas du Baron Rouge, hein. Je parle de Wolfram von Richthofen, hein, son cousin, qui est le commandant, qui est un peu le père de l'aviation tactique allemande, et qui commande le Fliegerkorps à Stalingrad. Donc ouais, là, les Allemands vont se dire, si on essayait de faire du Stuka un casseur de bombardiers, ils vont se dire à la base, on va essayer de mettre des canons de 30 mm. Mais Rudel va leur dire, écoutez, on peut même aller plus loin, si on mettait des énormes machins de 37 mm. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est la version aéroportée du canon de flak de 37 mm. Donc c'est ce qu'on appelle le BK, le board canonneux de 37 mm. Hop là! Regardez-moi cette très belle photo colorisée. Donc ça, c'est la version G. Cette version G, elle est vraiment particulière parce que ces canons BK, vous voyez, ils sont énormes. Donc déjà, l'avion est lent de base, mais avec ça... Alors, la version G, c'est pas un bombardier en piqué. C'est ce qu'il faut... Enfin, c'est pas un bombardier... Il ne bombarde pas comme un Stuka normal. Vous allez me dire, Pépé, comment est-ce qu'un canon de 37 mm peut péter un T-34? Eh, comment est-ce qu'un canon de 37 mm peut péter un T-34? Je vais expliquer ça. Déjà,
L'obus de 37 mm du BK, il a la pointe en tungstène. C'est important de le dire. Les Allemands, le tungstène, quand vous faites de l'antichar, il vous faut un peu de tungstène. Ça vous permet d'avoir une meilleure pénétration dans l'acier. Un des gros problèmes des Allemands, c'est qu'ils n'ont pas de tungstène. Les Allemands, j'en ai déjà parlé, mais la simple logistique, les Allemands n'ont pas de tungstène pour leurs armes anti-char. Donc le peu de tungstène qu'ils ont, ils arrivent à l'amener via certains pays neutres. Donc ils importent du tungstène via le Portugal et tout ça. Le peu de tungstène qu'ils ont, bah, ils l'utilisent dans des micro-productions, comme, entre autres, le BK. Chaque canon que vous voyez a un chargeur à 6 obus. En tout, un Junker 87 avec ses BK a 12 obus. 12 obus, hein. Ça suffit pour faire la différence. On a souvent une idée des chars qu'on voit le blindage des tanks et tout. Non, les chars sont blindés à des endroits très très spécifiques. Généralement vers l'avant, toujours, parce que vous affrontez l'ennemi de face. Donc, vous blindez l'avant, vous blindez un peu les flancs, vous blindez pas l'arrière, vous blindez pas en dessous, vous blindez pas au-dessus. Les chars, même les chars modernes, sont aussi toujours vulnérables aux mines anti-chars, parce que dessous, c'est pas blindé. Dessus, c'est pas blindé. À l'arrière, vous avez le compartiment... Donc, un T-34. À l'arrière, vous avez le compartiment moteur. Vous avez une grille, une grande grille, pour l'évacuation des gaz. D'ailleurs, vous verrez souvent l'infanterie soviétique, les fantassins russes, qui adoraient être dessus cette grille, parce que c'est super chaud. Bah ouais, vous prenez les gaz brûlants du moteur. Alors, vous pouviez aussi tomber dans les pommes, hein, avec les gaz toxiques qui sortaient du moteur, mais bah, faut choisir entre avoir chaud et être dans les vapes. Donc vous verrez souvent l'infanterie soviétique, avant qu'ils aient des camions, qui squattaient sur la grille du T-34, parce que c'est super chaud. Et bah, cet endroit-là est incroyablement vulnérable. Tu t'en fous du cancer quand tu peux mourir la journée même. Le cancer te tuera dans 20 ans. Cette grille, souvent quand vous voyez des T-34 qui brûlent, vous voyez du feu qui sort de cette trappe. C'est-à-dire qu'il y a un incendie moteur, et bah, vous voyez qu'il y a du feu qui sort de cette trappe. Donc c'est pas qu'il y a eu une pénétration ou une destruction du blindage, parce qu'il n'y a pas de blindage à cet endroit-là. Les pilotes de BK, je vais l'appeler comme ça, hein, le Junker 87G, les pilotes de BK vont très vite apprendre comment attaquer une formation soviétique. Donc il y avait toute une manœuvre qui consistait à passer sur les flancs ou sur derrière et de faire un piqué léger et juste avec un ou deux obus, de péter le moteur du char russe et d'y foutre le feu. Parce que forcément, dans un moteur, vous avez de l'essence, vous avez des vapeurs d'essence, et par définition, les vapeurs, ça brûle. Donc le but était de foutre le feu au T-34. Et c'est le premier casseur de bombes, c'est le premier casseur de chars de la guerre. Jamais avant, on avait pensé à utiliser un avion uniquement dans ce rôle. On a bien les Tempest, ou les Typhoon avec des roquettes, mais... Les Typhoons avec les roquettes, les chiffres, on les a aujourd'hui un peu avec les analyses modernes. Et l'historicité des rapports de perte, les Typhoons ne faisaient strictement rien. Ils avaient, oui, un effet psychologique sans aucun doute, mais les Typhoons ne détruisaient pas de chars. Avec leurs 4 canons de 20, ils arrivaient à péter du matériel plus léger, mais les Typhoons ne sont pas des casseurs de chars. Ils avaient un impact psychologique, mais en termes d'efficacité, ils ne détruisaient pas de chars. Le BK, lui, était un casseur de chars. Il était un redoutable casseur de chars. Alors, fallait avoir une paire de baloches en 1943 pour voler sur le front russe. Mais rappelez-vous que la guerre à l'est est différente de la guerre à l'ouest. Les Allemands peuvent localement avoir la supériorité aérienne. Donc, la première fois qu'on verra les BK, ce sera pendant... Il y avait les Sturmovik. Mais les Sturmovik ne sont pas des avions précis. Les Sturmovik, on les emploie en énorme formation et on balance plein de bombes en espérant que ça touche. Le Sturmovik n'est pas été un destructeur de chars par rapport à la façon dont il est employé en masse. Le BK, on en envoie que des petites formations. Sur beaucoup d'aspects, le BK est très proche d'un Adis Thunderbolt, par exemple. Là où le Sturmovik n'est pas un Adis Thunderbolt, le BK, sans aucun doute, est l'ancêtre de l'Adis. Parce que la doctrine est exactement la même d'utiliser des obus extrêmement vulnérants, des petits nombres d'obus extrêmement vulnérants pour détruire des chars. Et c'est vrai que les Allemands, un peu accidentellement, vont inventer le premier destructeur de chars. Même si, faut être fou pour voler à cette époque-là en Stuka, quoi. C'est... Aïe, 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 aïe.
Cet avion est incroyablement lent. Pourtant, alors, ils seront toujours escortés. Hein. Les Allemands ont conscience que les Shtukas sont vulnérables, donc ils feront toujours des énormes efforts sur le front russe pour systématiquement amener une escorte de Focke-Wulf 190, où ça devait tomber lors des tirs carrément. Et aussi des escortes de Bf-109. Donc c'était... Les Shtukas étaient protégés, systématiquement. Les Allemands n'envoyaient pas les Shtukas au suicide. Hein. Les Allemands allaient envoyer facilement 20-30 avions pour protéger une passe d'attaque de Shtukas. Donc c'était... Les Allemands sont capables sur le front russe, jusqu'à même 1944, pas après Bagration, mais sont capables de reprendre la supériorité aérienne locale pour permettre à ce genre de bombardiers d'appui, que ce soit des Heinzel 129 ou des Shtukas, d'engager pour détruire des blindés soviétiques. C'est quelque chose qu'ils arriveront à faire jusqu'à très tardivement. Parce qu'à l'ouest, c'est beaucoup plus difficile. Alors, il y a un autre domaine qui est très peu connu, où les Allemands vont s'inspirer des Russes. Donc, les Allemands ont beaucoup de Shtukas et ont conscience que les Shtukas sont de plus en plus vulnérables de jour. Donc, ils vont commencer à s'inspirer des Russes. Les Russes, c'était les pros du harcèlement. Hein. J'ai déjà parlé quand j'ai fait le biplan PO2. Des escadrilles russes qui étaient équipées de ces petits biplans, et puis on allait faire du harcèlement la nuit. Mais les Allemands vont créer des escadrilles avec tous les Shtukas qu'ils trouvent. Ils vont créer des escadrilles de harcèlement nocturne qui vont opérer quasiment de 1943 jusqu'à 1945 sur le front, surtout sur le front russe. Et donc il n'y a jamais eu de version officielle de nuit pour le Shtuka. Mais par contre, selon certaines usines, on mettait des cache-flammes, on mettait des illuminations dans le cockpit. Selon d'où ça venait, et selon le matériel à disposition, on essayait de faire une version de nuit du Shtuka pour les Shtuka qui allaient en escadrille. Mais il n'y a jamais eu rien eu d'officiel et de standardisé pour les Shtuka de nuit. Donc il n'y a pas eu de Nart, Ju-87. Voilà, il n'y a pas eu de Ju-87 de nuit. Par contre... les escadrilles allemandes, elles, de harcèlement de nuit, ont bossé toute la nuit. Leur dernière sortie, on est en mars-avril 45. Les têtes de pont de Remagen, lorsque les Américains prennent le pont de Remagen en 45 sur le Rhin, on a les Shtukas de deux escadrilles de harcèlement qui vont attaquer, bombarder de nuit. Donc deux jours, on envoie les Arado 234. La photo couleur du... Ouais, peut-être qu'il y a les cache-flammes. Hein. Comme je dis, c'était pas des choses standardisées. Hein. Mais peut-être que c'est un ancien Shtuka d'une escadrille de nuit qui a été converti en G. Comme je dis, très souvent, les Allemands modifiaient les Shtukas pour passer d'une version à l'autre. Donc peut-être que c'est un... Vu que la version G, il n'y a pas eu beaucoup d'avions G, peut-être que c'est une version d'un groupe de harcèlement de nuit qui a été converti en G. Et qu'il a encore certains dispositifs de nuit. Pas improbable. Donc ouais, en mars 45... Les Allemands vont envoyer au casse-pipe leur Shtuka. Oh, putain, en mars 45, voler en Shtuka, et il y a des mosquitos dans les airs. Aïe, 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 aïe. Et pour aller attaquer les têtes de pont américaines. Donc au fur et à mesure que la guerre se rapproche de l'Allemagne, les Shtuka ils vont sortir. Tant qu'il y a de l'essence et des pilotes, les pilotes de Shtuka vont au carton. On est en 1945, l'avion il se traîne à 250-300 km/h maximum. Et on envoie ça faire la guerre, quoi. C'est... Ouais, là, ça ressemble à du suicide, hein, parce que au printemps 45, les Allemands n'ont plus le luxe d'envoyer des escortes comme ils le faisaient en 43. Et le Shtuka va être utilisé par quasiment tous les pays de l'Axe. Rappelez-vous que c'est un avion terriblement efficace sur les théâtres d'opérations secondaires, donc pas à l'ouest. Et les Allemands, ils vont filer le Shtuka à tout le monde. Hein. Voici Les Italiens vont recevoir une cinquantaine de Shtuka, beaucoup de B, je crois, et quelques versions R. Bah ouais, les R, c'était la chasse au bateau. Donc les Italiens étaient très intéressés par la version longue distance pour chasser du bateau anglais en Méditerranée. Donc les Italiens vont utiliser avec succès les Shtuka allemands. Hop là. Donc on a quelques photos, d'ailleurs, on voit l'arrière, hop. À la fin, il n'a pas dû en rester beaucoup. En fait, ils en ont quand même fait 6000, hein. Donc, il restait beaucoup de Shtuka. Le problème, c'est pas tant la disponibilité d'avion, plus que les pilotes et l'essence. Si vous devez choisir enfiler votre essence à un Bf-109 ou à un Shtuka, vous donnez au Bf-109. Les chasseurs ont la priorité dans quasiment tout en 44-45. D'ailleurs, les chaînes de production s'arrêteront en 44, hein, du Shtuka D,
Donc là, le D, c'est la version la plus produite, ils vont produire le D de 41 à 44. Mais ils auraient aimé l'arrêter, les arrêter plus tôt, mais ils n'avaient rien pour le remplacer. C'est ça le problème. Hop là. Alors, on a aussi les Hongrois, les Roumains, les Bulgares, ils vont tous recevoir. Le plus gros contingent, c'est les Roumains qui vont recevoir plus de 110. Donc, on a des très très belles photos. Je suis allé dégoter ces petites photos très sympas de joujoux. On a un peu de tout. On a du hongrois, on a. Tiens, regardez, moi, ce aux couleurs italiennes. Magnifique. On a même la. Où j'avais mes photos? Voilà, regardez-moi ça! Avec la petite maintenance moteur et tout ça. Les Roumains étaient bons aviateurs. Ouais, mais le. Les Allemands ont toujours une tendance de blâmer les autres pour leurs erreurs. Donc dès qu'il y avait des choses qui allaient pas chez les Allemands, on disait c'est la faute des Italiens, c'est la faute des Roumains. Donc les Roumains, les Hongrois, les Italiens se coltinent des réputations de merde parce que les généraux allemands ont beaucoup écrit à la fin de la guerre et se sont dédouanés de leurs erreurs. Les Italiens étaient d'excellents combattants, les Roumains, les Hongrois aussi. Parfois, ils n'avaient pas le bon matériel. À Stalingrad, les Allemands, ils se sont bien gardés de filer des armes anti-chars aux Roumains. Donc forcément, quand les Roumains se faisaient rouler dessus par du T-34, bah les mecs, ah bah, on n'a pas d'armes anti-chars. Bah ouais, mais pépère, non. Étaient bons aviateurs, oui, c'était des bons aviateurs. Les Roumains, sans aucun doute. Les Roumains étaient très, très italiens dans l'âme. Hein, et ils avaient des bons avions aussi. Est-ce que vous savez c'est quoi ce. À qui appartient ce Stuka? À qui appartient ce Stuka? Non, ce n'est pas Israël! Ah, je savais! Je savais qu'il y avait quelqu'un qui allait répondre Israël! Ce sont des Yougoslaves, mais oui! Ce sont des Yougoslaves! C'est. J'ai mis exprès de pas. J'ai pas mis la version colorisée pour voir. Donc, ce sont les Yougoslaves qui, après-guerre, les Yougoslaves ont utilisé une poignée de Stuka. Ils ont déjà récupéré des pièces détachées parce qu'il y avait des chaînes de montage en Slovaquie. Et en plus de ça, ils ont les Croates. Les Croates, donc rappelez-vous que la Croatie était une espèce de création allemande. Les Allemands ont filé aux Croates, à l'aviation croate, oui, en 44, ils ont filé des Stuka. Et les Yougoslaves ont récupéré quelques-uns de ces Stuka et sont parvenus à utiliser quelques Stuka après-guerre. Donc le Stuka a continué à voler après-guerre. Hein, regardez-moi ce Stuka anglais qui a été récupéré par les Anglais en Afrique et utilisé sous couleur anglaise. Alors, pour ceux qui ne parlent pas anglais, il y a marqué Under Entirely New Management, ça veut dire il a totalement changé de propriétaire. On va dire ça comme ça. Sous la direction d'un nouveau propriétaire. Les Anglais ne manquaient pas d'humour. Donc là, vous avez un Stuka anglais récupéré. Alors, les Anglais vont être très intéressés par le Stuka. Alors, regardez celui-là aussi, récupéré en Afrique. C'est peut-être le même d'ailleurs. Il va être. Le Stuka va être décortiqué. Les Anglais sont très. En fait, le Stuka intrigue beaucoup de monde. Les Américains vont en affronter en Afrique, les Anglais aussi. Et personne n'a quelque chose d'équivalent à ça. Rappelez-vous, oui, le Stuka est lent. Oui, c'est un fer à repasser. Mais c'est le meilleur bombardier en piqué de la guerre. Et les Anglais sont très intéressés de voir comment est-ce que le Stuka fonctionne. Pourquoi est-ce que le Stuka bombarde aussi bien en piqué? Pourquoi est-ce qu'il est aussi précis? Les Américains aussi. Et. Tous les alliés vont s'empresser de faire voler. Rappelez-vous que c'est un avion qui vole bien, facile à piloter, ils vont tous le tester. D'ailleurs, il y a Eric Braun. Eric Braun, donc c'est un pilote que je parle souvent, puisque c'est sûrement le pilote d'essai le plus capé de l'histoire de la Royal Air Force. Et c'est le seul pilote allié à avoir volé sur tous les modèles allemands, y compris le Comet avec le moteur allumé. Eh ben, il a testé le Stuka. Et donc, sûrement cette version d'ailleurs, hein. Et ce qu'il dit du Stuka, c'est que. Mais. Enfin, c'est un bombardier en piqué incroyable, ne serait-ce que pour les innovations techniques qu'il y a, du pilotage automatique pour sortir du piqué, de piquer à la verticale. Enfin, genre. Et même Eric Brown, il a dû avoir les miches. Et il nous dit que piquer à la verticale est contre-nature pour un pilote, en fait, hein, de foncer vers le sol comme ça. Et il nous dit que c'est un avion exceptionnel dans ce qu'il fait, en fait. En tant que bombardier en piqué, c'est un excellent avion. Hop là.
Alors, très intéressant. On a une poignée de Shtuka qui ont survécu à la guerre. Il y en a un qui est à Chicago. Ah là 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 là. Cette saleté s'est mise trop large. Donc ça, c'est au musée des sciences et de technologie de Chicago. Donc ça, c'est le Shtuka américain que les Américains ont récupéré et ont testé. Donc il n'y a plus que 3 Shtuka en vie aujourd'hui. Vous avez ce Shtuka-là qui a été testé par les Américains. Heureusement, ils ne l'ont pas fait railler. Donc, magnifique Shtuka américain. Il est à Chicago. Et on a celui-là qui est très intéressant. Vous regardez ce Shtuka. Ce Shtuka, il est au musée de la Royal Air Force en Angleterre. C'est un G2. Alors, vous allez me dire, comment est-ce que les Anglais ont mis la main sur un G2 avec les canons BK sous les ailes. En mai 1945, lorsque les Anglais arrivent au Danemark, donc les Allemands se sont rendus, ont déposé tous les armements, tout ça, de leurs avions, ils tombent sur un putain de G2 en état de vol. Jusqu'à la fin de la guerre, les Allemands utilisaient encore des... on sait que Rudel a encore fait des missions de guerre jusqu'en mars 45 sur les Russes qui avançaient vers Berlin et tout, c'est de la folie, hein. Mais les G2 faisaient encore de l'attaque au sol. Et les Anglais vont arriver et il y a un G2 intact qui est là. On sait pas à qui il appartient, il est sur un aéroport, quelqu'un l'a posé là. Et les Anglais, bah, le font voler, ils disent, mais ils volent le machin. Et ils le ramènent en Angleterre, où il va être exposé, testé. Vous vous rappelez du film La Bataille d'Angleterre, de 1969, qui est un très bon film d'ailleurs, qui même encore aujourd'hui a plutôt bien vieilli, parce qu'il y a très peu d'effets spéciaux. Il y a beaucoup de maquettes et tout ça. Il y a des scènes avec des Shtuka dedans. Et bah c'est ce Shtuka là. C'est un ancien G2, ils ont vu qu'il y avait les canons BK sous les ailes, ils ont viré les canons BK, donc il n'y a plus les canons BK, il y a encore les accroches sous les ailes, vous pouvez voir sur ce modèle. Alors là, on ne voit pas sous les ailes, mais c'est un ancien G2. Et dans le film La Bataille d'Angleterre, vous avez quelques scènes où on voit des Shtuka. Bah, en fait, c'est ce Shtuka-là qui a été pris sous tous les angles, dans tous les sens différents, et en fait, c'est le Shtuka qui a été... Et il vole avec son moteur d'origine. Il vole avec son moteur d'origine. Là, l'avion peut encore voler. Mais ils le font pas voler parce que bah, ça serait trop dangereux. Il y a aussi toutes les assurances et tout ça. Mais le jumeau 211 volait encore en 69. Il volait encore en 68-69, moteur d'origine. Ils ont dit, mais il vole super bien et tout ça. Mais ça vous montre un peu la fiabilité de la machine. Et vous avez, c'est sûrement le seul avion allemand d'origine qui joue dans la bataille d'Angleterre. Dans le film. Tous les autres, c'est les avions espagnols. Donc, c'est les CASA 111, c'est les BF-109 avec les Rolls-Royce. Donc, ils ont un nom, j'ai oublié. C'est les avions... les Bucons. C'est les Bucons qu'on les appelle. Donc, c'est les BF-109 remotorisés en Rolls-Royce Merlin. Ça fait drôle de voir un Rolls-Royce Merlin sur un BF-109. Allez voir le film La Bataille d'Angleterre, si vous ne l'avez pas vu. C'est un excellent film. Pas historique sur beaucoup d'aspects, mais c'est un excellent film. Ne serait-ce que rien que pour voir les avions. Parce qu'ils ont toute l'armée de l'air espagnole qui débarque pour tourner, c'est magnifique, quoi. Donc ouais, on a ces deux Shtuka, et il y en a un qui est en rénovation, je crois. Donc ouais, c'est l'historique du Shtuka. Donc, la conclusion du Shtuka, bah, c'est que c'est un avion exceptionnel. Sauf que, bah, il est obsolète. Mais dans ce qu'il fait, c'est le meilleur. C'est assez paradoxal, hein, d'imaginer ça. Et c'est pour ça que les Allemands continuent de l'utiliser jusqu'à la fin de la guerre. C'est que personne ne fait mieux le boulot que lui. Ils vont essayer pourtant, hein. On va avoir le Focke-Wulf 190G, ou la version G qui est la version d'attaque au sol, mais la version G, bah ouais, bah c'est un avion de chasse à qui on met une bombe, mais le Focke-Wulf 190G, en termes d'efficacité, était bien loin d'un Shtuka au niveau précision. Par contre, le pilote survivait, ce qui est pratique. Mais... ouais, ils vont essayer avec le Henschel 129, avec le Focke-Wulf 190G. D'ailleurs, le Focke-Wulf 190G va remplacer dans beaucoup d'escadrilles, particulièrement dans les SKG, les Schnellkampfgeschwader, donc là, les attaques rapides. Le Focke-Wulf 190G va remplacer complètement le Shtuka. Mais le Shtuka va continuer à être utilisé de moins en moins de jours, toujours bien escorté. Jusque dans les derniers mois de la guerre. Ce qui est assez dingue quand on se pense que l'avion a commencé sa carrière en Espagne. Enfin, je vous remets une petite photo de cette version incroyable qui est le G. Donc ça, sûrement pris en 43 ou en 44 peut-être. Et je vous remets le V1 qui vole en 1935. Enfin, vous voyez l'évolution un peu de l'avion.
sacrée évolution. Donc c'est un avion qui a vraiment beaucoup évolué, qui a été raffiné, mais ça reste un fer à repasser du début à la fin. Voilà. Et c'est un, moi je trouve que c'est un, bah déjà ça reste une légende de la Seconde Guerre mondiale, hein, le Stuka. C'est 10 ans d'histoire, ouais c'est ça, 35-45, et il vole encore jusqu'en 69, hein. C'est pour ça que c'est, il a une petite carrière assez dingue, mais c'est un avion qui a une histoire assez chargée, et c'est bien de le connaître, voilà, c'est bien de le connaître. Mais bah, ça reste un avion qui va poser un peu les bases de ce que sera l'aviation d'assaut lourde, peut-être pendant la guerre froide, avec, comme je dis, là, je trouve que la version G rentre dans la même mentalité, exactement la même mentalité que le A-10 Thunderbolt, où on casse des chars, on a des armes qui sont faites que pour les chars, et on est là pour casser du char. Et c'est vrai que le Stuka dans ce domaine va paver les voies du Thunderbolt. Voilà pour le Stuka. Bon, j'espère que j'ai pas été trop long, quelle heure il est? Putain, ouais, c'est sûr que c'était un petit peu plus long. J'ai une minute géopolitique à bosser. Ouais, c'est ça, Nighty. Va bosser, t'as le temps d'Haïti, arrête. Donc ouais, voilà pour le Stuka. Bon, il y avait plus de choses à dire que le Arsenal VG33, forcément. D'ailleurs, si les gens ont des choses à rajouter dans les commentaires YouTube, n'hésitez pas à le faire dessous, là. Comme je dis, il y a beaucoup de choses à dire, je suis pas rentré dans le détail de toutes les versions, parce qu'il y a des versions, des sous-versions, des versions de versions. Le Stuka, c'est comme les Focke-Wulf et compagnie, on n'en sort pas si on fait toutes les versions. Ou pire, toutes les, le BF-110 avec ses 50 000 versions, non, ou Junker 88. C'est un avion qui forcément a eu, était très polyvalent, mais ouais, si vous avez des choses à rajouter, ou si je dis des bêtises aussi, hein, n'hésitez pas à le dire. Bon, on va s'arrêter là, demain j'ai une foire au livre, on aura Oleg qui viendra nous parler des guerres du Nord, donc sûrement toutes les guerres entre la Suède et la Russie, très intéressant. On aura une minute géopolitique avec Nighty. Alors jeudi, on aura deux choses parce qu'on a, une fusée Angara qui doit décoller en début d'après-midi. Et après, on aura une minute géopolitique. Donc on fera sûrement le tir de la. C'est une énorme fusée russe, la Angara. C'est le quatrième tir de la fusée. Donc ça va être chouette de voir un tel monstre. Et dans la foulée, on aura une petite minute géopolitique avec Nighty. Barnabou est en vacances et il s'avère que Nighty, lui aussi, est en vacances. Donc il s'empresse de venir faire des minutes géopolitiques. Hein? Il a rien d'autre à foutre. Donc ouais, Nighty viendra nous parler, je crois, de la coopération franco-indienne au niveau militaire. Et moi, je vais vous parler un petit peu de tout ce qu'on appelle cette nébuleuse que sont les armes, les nouvelles armes hypersoniques. Parce que je pense qu'on entend ce terme un peu à tort et à travers, à tout va, alors que, bon, bah, l'hypersonique, on le fait depuis longtemps, mais voilà, donc on va parler un petit peu de ça, voilà. Et Noël, le 24! Eh ben le 24, bon courage pour le sujet. Oh, Nighty, je vais simplifier, on n'est pas là pour trop rentrer dans le détail. Mais au moins essayer de voir qui fait quoi et de quoi on parle. Et ouais, donc le décembre, je suis désolé, mais le 24, je vais streamer parce que on a le tir d'Ariane 5 et le télescope James Webb. Donc ça sera une occasion de parler un peu du télescope James Webb. Et de qu'est-ce qui pourrait aller mal avec le télescope, et croyez-moi, il y a beaucoup de choses qui pourraient aller mal avec le télescope. Voilà, donc on fera un petit stream. Comment ça, t'as pas fait de minute archéo? Je comptais sur toi, Skyrose, pour venir faire une minute archéo pour Noël. Ne me dis pas que t'as autre chose à foutre, tu mens. Non, non. À quelle heure le 24? Je pense que le tir d'Ariane. Bah attends, je vais aller voir ça de ce pas. Oh, je le dirai demain, voilà. Je le dirai demain. On va pas se prendre la tête maintenant avec ça. C'est en début d'après-midi, il me semble. C'est en début d'après-midi. Attends, hey, vous savez quoi? On n'est pas pressé. Hop. Rocket launch schedule. Alors, 24 décembre. James Webb, j'ai pas l'horaire pour celui-là. On va aller voir ailleurs. NASA Space Flight. Oui, ils vont me le dire, j'espère. James Webb, putain, UTC, ça sera sûrement vers midi et quelques. Mais non, Skyros, t'emmerde pas, je déconne, il y a d'autres priorités. Ça sera en début d'après-midi, le tir. UTC par rapport à la France, au niveau... UTC time. Vous êtes pas en UTC, en France?
Non, l'UTC c'est l'Islande, donc le... ça sera... l'UTC c'est pour moi, donc ça sera en UTC, ça sera à 13h20. Noël, désolé, ça sera, on oublie Noël, à 13h20. Voilà, UTC plus 1 la France, voilà. Donc 13h20, ils ont prévu le tir de Ariane 5, donc on va avoir un joli petit tir. Du télescope James Webb, donc ce sera une bonne occasion de parler du télescope, un peu de ce qu'il va faire, de où il va aller, parce qu'il va pas du tout aller au même endroit que Hubble, et il a vocation à travailler avec Hubble plus que de le remplacer véritablement. Ils utilisent pas les mêmes technologies, et c'est vrai que c'est, soyons honnêtes, hein, le télescope James Webb c'est une putain d'usine à gaz, hein. Et il y a une probabilité non négligeable que ça échoue totalement, ce qu'ils vont faire, mais ça va être chaud. Faire une discussion politique en live. Je ferai pas de discussion politique en live. Non. Ça pourrait déraper beaucoup trop. Et je ne pense pas que Twitch soit un bon format. Je pense pas que Twitch soit un bon format pour du débat en live, en fait. Le problème, c'est que moi, en tant que streamer, je monopolise la parole et l'image. Un bon débat, il faut que tout le monde ait accès à l'image et à la parole de la même façon que moi. Et là, je suis en position de force, en fait. Et je trouve pas ça bien pour débattre. C'est pour ça que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Voilà. Nah. Un Wartank de prévu. Qu'est-ce qu'on a comme prochain truc la semaine prochaine Si j'ai la motivation, je me retape les Girl und Panzer et je ferai la semaine prochaine un Wartank sur Girl und Panzer. Je vous promets rien. Je vous promets rien. Non, pour ton voyage, ton futur voyage en Islande, déjà, quand t'auras un boulot, et du pognon, parce que ça coûte cher l'Islande, pépère, et c'est pas avec ton salaire de chômeur, là, que tu vas te payer un billet d'avion. Ou alors, c'est Kadruka qui va tout te payer. Ta sugar mommy, quoi. On va s'arrêter là. Rendez-vous demain pour la foire aux livres. Peut-être que je ferai un peu de César 3 demain après-midi. Et on verra bien. Ah bah, Nighty, si tu viens faire escale, tu me dis, hein. Tu seras bien accueilli, hein. Par contre, essaie de me ramener un petit quelque chose, hein. Je pense que tu peux me ramener un peu de miel ou un peu de calendos. Ou tu peux me ramener un truc sympa. Oui, bah, j'ai changé d'avis. Je n'ai pas envie... Non, une discussion politique en live. Déjà, non, mais je suis désolé, mais on parle de géopolitique. Techniquement, la géopolitique, c'est de la politique. On fait quand même de la géopolitique en live. Non, on parle beaucoup, déjà, de politique, mais j'ai pas envie de parler de politique, quoi. La politique française, en plus, c'est pour me coltiner de la politique française, avec le gang d'Ahuri qu'il y a là-dedans. Y a aucun intérêt à parler de ça. Genre, j'ai pas envie, c'est pas des sujets qui m'intéressent. Encore la géopolitique, je suis passionné, la politique, elle, ne m'intéresse pas du tout. C'est le monde de l'hypocrisie, le machin, au secours. C'était un sub-goal, si je me souviens bien. Ouais, bah, maintenant, je fais la minute géopolitique. Voilà. Le sub-goal, c'était ça. Je l'ai modifié. Une discussion sur Pompéi, mais de toute façon... Non, Skyros, on peut pas faire une discussion sur Pompéi, parce que je voudrais bien que Pompéi, on fasse un truc sérieux. C'est-à-dire qu'on fasse un spécial Pompéi, propre, et qu'on fasse un truc vraiment... une belle minute archéo sur Pompéi. Ah, tu sais que j'ai... Hey, pour la discussion politique, j'ai une liste comme ça de trucs que... J'ai une liste comme ça de trucs que je dois faire sur... De sub-goal, et que j'ai pas le temps... Ou que techniquement je peux pas. Par exemple là, le 25, regardez. Attendez, on va balancer un peu de... Le 25, tout fonctionne, tout est prêt, je me suis un peu entraîné pour pas être ridicule. Où j'ai mis ça Oh, regardez ce que je vais faire. Alors, c'est du solo, mais c'était un sub-goal que je devais faire depuis très longtemps. Regardez, on va sortir Darkest Tower, Kaiserreich, et on va aller jouer... ouais, il y a aussi Herculanum, ouais. On va aller jouer avec la Mongolie, on va faire la petite campagne très sympa, mongole, avec des super events, et on va aller faire la campagne mongole de Fun and Gurn sur DH, à coups de cavalerie et d'infanterie 18 et de miliciens, et on va essayer de faire une conquête de l'Asie totalement à l'arrache. Donc je ferai ça sûrement...
Je ferai ça sûrement le 25. Après-midi ou soir, je sais pas encore. Mais tout est prêt, donc je lancerai une petite série sympa sur ça. En attendant que GLaPS soit dispo pour jouer avec moi, avec le Japon, ça fera une chouette petite série pour ceux qui connaissent pas Darkest Tower et qui sont qui s'astiquent le poireau sur Heart of Iron 4. Donc je jouerai à un vrai jeu. Voilà. Et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour ce soir. Passez une bonne soirée. Je vous dis à demain pour ceux qui veulent voir de la foire aux livres, et sinon pour ceux qui ont autre chose à faire de leur vie. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à ciao ciao. Salut tout le monde, bye bye!